L'ordre du jour appelle la question orale numéro 59 de Monsieur Christian Cambon à Monsieur le ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cette question a pour but d'attirer l'attention du ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche sur le coût de plus en plus prohibitif et les disparités relatives aux péages pour les usagers des autoroutes. Lors des dernières vacances notamment, il n'a pas échappé en effet aux automobilistes que les tarifs de péage avaient une nouvelle fois augmenté, en moyenne de 2,5% en février dernier, alors que l'inflation n'a été qu'à peine de 2%, une hausse encore plus importante que celle de 2011, qui était alors de 2,24%. Alors, ceci n'est évidemment pas nouveau, puisqu'en fait, les tarifs ne cessent d'évoluer plus vite que l'inflation. Le prix au kilomètre frôle en 2012 les 8 centimes d'euros en moyenne. Ils étaient à 6,8 euros en 2005. Ce service public tend à devenir un luxe pour de nombreux Français qui sont tenus par ailleurs d'utiliser leur voiture. Nombre de nos concitoyens qui ne peuvent habiter dans les centres-villes à cause des prix élevés des logements sont obligés d'emprunter ces infrastructures autoroutières et y consacrent de ce fait une part de plus en plus importante de leur budget. Or, par ces temps de crise, il n'échappe à personne l'importance des dépenses en carburant et en assurance, qui ont beaucoup augmenté, et que doivent supporter les automobilistes. Alors, quand on se penche un peu plus sur le problème, les questions se multiplient. Selon les trajets, les prix des autoroutes varient de plusieurs centimes au kilomètre. Une différence qui, au final, peut se payer au prix fort. Ainsi, sur le tronçon de l'A65 Langon-Pau, il faut payer 20,70 euros pour parcourir 150 km, alors que sur l'A75 Clermont-Ferrand-Béziers, le trajet de 331 km ne coûte aux automobilistes que 6,70 euros. Donc on est véritablement dans un rapport de 1 à presque 4. Les opérateurs de ces réseaux, qui ont certes des impératifs de rentabilité, fixent des péages de plus en plus élevés. Cela conduit les automobilistes à préférer les axes secondaires qu'ils viennent charger, route nationale, route départementale, qui facilitent leur trajet de manière gratuite, et ce, dans la période que nous connaissons. Ce cercle vicieux se vérifie sur l'A65, l'une des plus chères autoroutes de France, qui a été ouverte fin 2010. Le trafic escompté par le concessionnaire était tellement faible qu'il a dû lancer une véritable opération commerciale. On va bientôt avoir des péages low cost cet été pour attirer le trafic de proximité. En effet, sur ce tronçon particulièrement cher et coûteux, les trajets de type domicile-travail ont fait défaut aux concessionnaires qui accusent une baisse de 10% par rapport à l'an passé. Les disparités de tarifs constatées sur les autoroutes pour des trajets équivalents ont bien évidemment l'art d'agacer les automobilistes. L'usager doit faire parfois preuve de beaucoup d'ingéniosité face à l'incohérence des tarifs, puisqu'il est parfois moins coûteux de sortir puis de rentrer sur l'autoroute à différents tronçons plutôt que de faire le trajet en direct. De plus, l'égalité des usagers devant le service public n'est pas assurée, puisque dans certaines régions, pour des raisons certes historiques que l'on connaît, mais enfin il convient de le noter, c'est le cas de la Bretagne, les autoroutes, elles, sont totalement gratuites. Alors depuis 2005, les sociétés concessionnaires sont privées. L'État a concédé pour 15 milliards d'euros quelque 8000 km de bitume aux géants du BTP. Celui-ci a évidemment procédé à des réductions d'effectifs, à l'automatisation des péages, à l'exploitation économique très avantageuse des aires de service, et en même temps continue donc cette augmentation des péages que j'ai évoquée. Ces autoroutes sont devenues extrêmement rentables, alors qu'elles sont financièrement amorties depuis longtemps pour nombre d'entre elles. Et cela n'empêche pas ces sociétés de continuer à augmenter leurs tarifs et d'assurer donc des profits très confortables. Alors, Madame la Ministre, Monsieur le ministre des Transports, peut-il nous indiquer quelles initiatives votre gouvernement souhaite prendre pour, d'une part, obtenir des harmonisations nécessaires de tarifs et, par ailleurs, négocier avec les sociétés d'autoroutes une modération de l'augmentation de ces tarifs chaque année? Je vous en remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous avez appelé l'attention du ministre délégué en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche sur la hausse des tarifs de péage autoroutier. Votre question pose globalement celle du modèle économique des concessions d'autoroutes.
En contrepartie de la réalisation de l'infrastructure et de son exploitation, le concessionnaire perçoit des péages auprès des usagers. Un contrat de concession entre l'État et la société d'autoroute fixe les évolutions annuelles des tarifs. Les niveaux de ces tarifs reflètent directement le montant d'investissement qu'il a fallu mobiliser pour réaliser l'infrastructure. C'est la raison pour laquelle il existe des disparités entre les différentes autoroutes. Ainsi, la 65, à laquelle vous avez fait référence, qui est une opération complexe, a des tarifs qui peuvent être jugés élevés. En revanche, la 75 n'a pas été concédée, hormis le viaduc du Millau, mais a été financée intégralement sur crédit budgétaire. Le ministre délégué chargé des Transports souhaite saisir l'occasion pour aborder de manière plus générale la politique du gouvernement vis-à-vis des concessionnaires d'autoroutes. La précédente majorité a décidé en 2005 de céder l'intégralité des parts détenues par l'État dans les sociétés d'autoroutes pour un montant de 15 milliards d'euros que vous avez rappelé. Cette décision était contestable dans son principe. Elle privait la puissance publique de ressources régulières issues des dividendes de ces sociétés et soumettait le secteur aux exigences et contraintes financières des groupes privés contrôlant les sociétés concessionnaires, notamment s'agissant de la rentabilité de leurs investissements. Mais cette décision a été prise. Toutefois, les contrats de concession ont été conçus avec un objectif d'équilibre. Les niveaux des péages doivent permettre d'assurer une juste rémunération du concessionnaire en rapport avec ses engagements financiers et le risque pris. Cet objectif d'équilibre est-il rempli aujourd'hui ? Ce n'est pas sûr. Il convient de s'assurer du respect à échéance régulière. Je tiens à vous confirmer que le gouvernement actuel s'y emploie. Le ministre délégué en charge des transports, de la mer et de la pêche a lui-même rencontré à plusieurs reprises les représentants des sociétés concessionnaires en ce sens. Il s'agit en effet d'une question majeure, notamment en cette période de crise, et le gouvernement entend aujourd'hui assurer une régulation juste de ce secteur. C'est la raison pour laquelle un contrôle strict des hausses de tarifs demandées par les sociétés concessionnaires est désormais réalisé pour qu'il n'y ait aucune augmentation injustifiée. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Cambon. Madame la Ministre, merci des éléments de réponse que vous venez de nous donner. Je prends comme un élément positif le souhait du gouvernement d'agir en matière de régulation des tarifs avec l'observation des conditions d'équilibre économique. Nous ne partageons pas la même analyse sur le mode de gestion. Je pense que la décision de confier au secteur privé le réseau autoroutier n'était pas une mauvaise décision, car l'État ne peut pas se charger de tout et est omnipotent. En revanche, il est quand même nécessaire effectivement d'obtenir de la part de ces sociétés concessionnaires d'autoroutes des régulations. Vous parlez des disparités et elles sont bien évidentes et bien connues. Quand il y a des ouvrages tels le viaduc de Millau, il est bien compréhensible que l'usager en porte les conséquences. En revanche, j'observe que par exemple sur l'autoroute du Sud et suivi de l'autoroute du Soleil, qui me semble quand même amorti depuis quelques dizaines d'années, on procède toujours à des augmentations tout aussi sensibles, alors qu'il y a très très peu d'ouvrages nouveaux et de frais d'entretien présentant un coût très élevé. Donc je pense effectivement que la mesure que préconise votre collègue le ministre des Transports est une bonne mesure, et il sera intéressant par exemple au moment de la discussion budgétaire sur le budget des transports que le ministre nous donne le résultat de cette concertation. Je vous remercie, Madame la Ministre.